Séance d'installation ce matin pour le comité de pilotage qui doit établir une charte pour le canal du Midi. Avec un taux de fréquentation de plus en plus élevé, cette voie classée au patrimoine mondial de l'humanité représente un enjeu important pour les deux régions Aquitaine et Midi-Pyrénées, voie navigable de France et l'État. Il y a des questions alors liées à ce moment-là au tourisme, à la création de parcours, de voies vertes à côté, des questions évidemment économiques aussi qui se posent, des questions culturelles liées à ce classement, une question aussi difficile que nous avons et que nous avons évoqué aujourd'hui, qui est celle, vous savez, de l'atteinte des platanes par cette maladie qui est le chancre coloré. Pour Voie navigable de France, qui gère les 450 km de canal entre la Garonne et la Méditerranée, le développement économique est aujourd'hui insuffisant. On peut penser par exemple aujourd'hui à des développements de produits qui allieraient le canal et la découverte des territoires du canal. À cette fin, un contrat de 38 milliards d'euros pour la période 2008-2013 a été passé entre la région Midi-Pyrénées, l'État et VNF. Un contrat similaire doit être mis en place en Aquitaine. L'instance doit également être ouverte au département.